Et salut à tous les amis, on se retrouve pour ce sixième épisode de Kingdom Hearts 3 sur la chaîne. Donc les gars, dernier épisode c'était assez chiant, on va pas se mentir, le cinquième. Mais c'est pas grave, je pense qu'on va se rattraper sur ce sixième épisode. De toute façon c'est pas moi qui choisis, c'est le jeu qui est comme ça, bordel. Voilà. De toute façon, je sais pas vos retours vu que je tourne à la suite. Donc on verra bien. Donc là, on est dans la cité obscure, je ne sais quoi. On s'en bat les couilles. Donc là, il y a des ennemis qui sont apparus. Liens. Les liens sont des manifestations magiques des amis de Sora qu'il peut invoquer à ses côtés. Pour les utiliser, sélectionnez liens dans menu commande. Ok. Pour utiliser les liens, la jauge de MP doit être pleine. Et ceci la vide complètement. En contrepartie, l'ami invoqué va régénérer tous les HP de l'équipe. Oh putain, stylé. Et comment on fait encore pour... Lien ballon chabuleux. Appuyez sur B pour sauter dans les airs et faire gonfler le miaou waou d'une taille à la fois. Appuyez ensuite sur A pour qu'il se dégonfle et fonce sur les ennemis. Et comment on fait encore... Lien. Donc c'est ça, hein. Lien ballon chabuleux, ok. Et je devais appuyer sur B, c'est ça? Allez, dégagez. Oh putain, c'est stylé, les gars, franchement. Et quoi, c'est 6000 là, ou je ne sais quoi, je peux les tuer que comme ça? Ok, je vais me gonfler au max. Oh putain. Ah, j'ai entendu piquer. Putain, ah, c'est trop stylé. Oh putain, non, franchement, c'est stylé, les gars. Il y a vraiment tellement de mécaniques et tout. J'ai un succès en plus. On les a bien endommagés là. Bon, là, ma barre de MP elle est niquée. Donc, je dois attendre qu'elle se remplisse pour pouvoir réutiliser le lien. Je suis en seconde forme là, les gars. Non, même pas. Ah ouais, comment je fais pour... forme, genèse, attendez. Ah, laissez-moi attraper. Ok, j'ai pris la deuxième forme, là, deuxième épée. Enfin, la deuxième Keyblade. On va la tester un peu. J'ai un peu plus de défense, apparemment. Enfin, de moins ce que j'ai dû. Wouah! C'est quoi ce bordel? Oh non, les gars, c'est trop stylé. Il y a de nouveaux combos de ouf, là. Ah non, franchement. Oh, je kiffe. Oh putain. Et Pégase, sa mère, y'a Pégase. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce putain de bordel? Ah, j'y comprends plus rien. Oh putain, y'a Pégase, les gars, qui est arrivé au calme. Non, attendez. Je reprends ça. C'est trop stylé avec la nouvelle Keyblade en fait. On a de nouveaux combos, des nouveaux trucs et tout. C'est trop stylé. Parce que je l'avais toujours pas utilisé hein, depuis qu'on l'avait débloqué. Même c'était quoi cette voix? Je suis sûr de l'avoir entendu. J'ai rien entendu. Je suis sûr que c'était pas le vent ou autre chose. Sûr et certain. Mais d'où il sort? Tu t'occuperas des glaces, quoi, attendez-moi. Vous voyez des voix? Des nouveaux? C'est quoi ça? Quoi? Ener, Pence, Olette? Oh putain. C'est quoi ça? Bonjour et au revoir. Ok, donc il nous laisse la merde quoi. Partez, on s'en occupe. Ok, donc toute la merde c'est pour nous bien entendu. Oh non, putain, regardez toutes ces barres de PV. Bordel. Aïe, putain de sa mère. Et il y a des boss tout le temps dans ce jeu, hein. C'est quand même ouf. Hein.
Vas-y, Donald! Fais quelque chose, sale enfoiré! Ah, oh, je suis en train de crever là, les gars, putain! Ah, il fallait s'y attendre, hein, le mec. Il est invincible, sa mère. Lancez Dingo! Vas-y, Dingo! Vas-y, défonce-moi ces fils de chien! Voilà, bien joué! Fire! Putain, mais lâchez-moi tranquille! Léchez! Laissez-moi tranquille! Viens ici, viens! Viens ici que je te défonce! Les gars, ils ont trop de PV là! C'est impossible! Ils ont trop de barres de PV, regardez-moi tout ce qu'il y a en bas! Aïe, putain de... Comment on va faire pour... C'est un truc de fou. Attends, on vient à peine de lui niquer deux barres de vie. Hein. Et Dingo et Donald, ils se cachent, hein, ces fils de chien. Ils m'aident pas. Hein. Même pas un peu. Hein. Le combat de l'éternité, de l'enfer. Qui va durer 3 heures, putain. Aïe. On va utiliser d'autres épées. On va voir. Attends, il y a un coffre là. Attendez. Donc en plein combat, je peux ouvrir un coffre. Hein. C'est déjà... Carte, ok. Bon, viens ici toi. Parce que là, tu commences à me saouler. La bite. Tu me saoules la bite. Hein. Ok, pas mal. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on devait pas lui enlever toutes les barres de vie. Parce que sinon, on était parti pour 5 heures. Hein. On était parti pour 2 épisodes rien que sur ce connard. Hein. Je pense qu'on devra le battre plusieurs fois en fait. Sur plusieurs des moments, il apparaîtrait. On devra lui enlever à chaque fois des barres de PV jusqu'à ce qu'il crève. En fait. Je pense que c'est ça. Mais après, non, c'est rien. Bon combat, merci Sora. Thanks, Sora. Hainer, Pen, Solette, ça faisait longtemps. Quoi? Ça fait pas si longtemps. Ah, il perd la boule, hein, Sora. Tu vois? Donald, Dingo, comment ça va? Ça va bien? Salut, Olette. Il se passe encore des trucs bizarres, alors. Tu rigoles, Pen? T'avais déjà vu une tornade de monstres noirs comme ça avant? C'est pas bizarre? C'est du jamais vu. C'est possible. Les créatures de l'autre fois étaient blanches, ça doit être autre chose. J'ai hâte de mener l'enquête. On a déjà fini notre rédaction, mon gros bêta. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous devez être ici pour une bonne raison. Qui est? En fait, on cherche Roxas. Roxas? C'est bizarre, je connais aucun Roxas, mais ce nom me dit quelque chose. Peut-être qu'on l'a déjà rencontré. On peut dire ça comme ça. En fait, je crois qu'il était ami avec une autre version de vous. Cette photo? Oui, on a la même. Ah, mais à part Roxas, en fait. Mais oui, l'autre cité de Crépuscule. On dirait le jeu des 7 différences, mais en super facile. Dans cette version-là, on doit être amis avec ce Roxas. Sora, laisse-nous t'aider à trouver Roxas. Vraiment? Oui, il a l'air vraiment cool. Il l'est, oui. Bien, alors allons nous renseigner en ville. Si l'autre version de nous connaissait Roxas, peut-être que des autres ici le connaissent aussi. Sora, vous trois, allez là où la photo a été prise, au vieux manoir. Nous, on va poser des questions en ville. Merci. En fait, j'ai récupéré ce téléphone qui fait des photos.
Ça vous dit qu'on s'entraîne tous ensemble? Ouais. Super idée. Donald, il fait vraiment pas peur, hein. Ça c'est. Qui va la prendre? Ah, ils ont retiré Donald et Dingo carrément. Pourquoi ça tombe sur moi? Dommage, mais on a tiré à la courte paille. T'en fais pas, je reste avec toi, Donald. Alors, c'est toi qui la prends. Quel enfoiré. Dites oui, Titi. Et ça rend bien. Oh, un emblème fétiche. Un emblème fétiche? Ouais, c'est le truc du moment. Il paraît qu'il y en a plein de cachés en ville. Et que ça porte chance de le prendre en photo. De les prendre en photo. Cool. Ah, donc c'est des quêtes en plus, ça. Et regardez ça, ça ne serait pas... Oh oui, tu as raison, je les vois aussi. C'est le roi? Ah, c'est la tête de Mickey. Je le savais. Bonne chance, parce qu'ils sont pas faciles à trouver. Bon, on va commencer à interroger les habitants. Bon, moi, je suis pas fort à ça, hein. Vous allez voir du côté du vieux manoir, on vous rejoindra. Ça marche. Moi, je suis pas fort pour ça, hein. Repérer les trucs sur les murs et tout. Prendre des photos. Appuyez sur OK pour activer l'appareil photo du Gummyphone. Vous pouvez prendre jusqu'à 100 photos. Les photos que vous prenez sont sauvegardées dans votre album auquel vous pouvez accéder en ouvrant le menu principal et en sélectionnant Gummyphone Album Photo. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 100 photos. Sélectionnez Aide de jeu dans le menu principal pour en savoir davantage sur les commandes de l'appareil photo. Faites attention lors de votre lorsque vous désinstallerez cette application, effacez de l'espace dédié ou déplacerez des données de sauvegarde vers un autre console Xbox One. Ouais, ta gueule. Emblème fétiche. Les Gummyphone détectent automatiquement les emblèmes fétiches et autres éléments importants présents dans le cadre et affichent un indicateur. L'indicateur passe au jaune si vous prenez la photo dans le bon angle, et à la bonne distance, ou un rouge si la distance ou l'angle ne sont pas corrects. Une icône s'affiche également dans le coin inférieur droit pour vous indiquer ce qui a été détecté. Rejoignez le vieux manoir. Mais alors cette là, on doit plus la prendre alors. Comment on fait pour sortir le putain d'appareil photo là? Gummyphone. Comment on fait pour prendre une photo? Ah ok, c'est vrai, putain, je viens de le lire et je savais pas, il faut juste appuyer sur select en fait. La photo c'est RB, bien cadré. Vous avez photographié votre premier emblème fétiche, vous avez obtenu booster PC. Oui City, j'ai débloqué un truc, votre première photo. Ok, donc je dois maintenant, putain, je dois faire attention aux emblèmes fétiches. Ça me rappelle Pokémon Soleil Lune là, avec les emblèmes et tout. Bon bref, où est-ce qu'il faut aller là maintenant? Où est-ce qu'il faut aller? Là, un truc de sauvegarde, très bien. Non, 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 pas retourner à la carte. Ok, donc c'est forcément par là-bas qu'il faut aller. Attendez, rejoignez le vieux manoir. Ok, bon. Ici, un truc, non? Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est le mec de la boutique. Acheter. Ah, j'ai pas mal, hein. J'ai 2300 et quelques. Anneau magique. Augmente légèrement la magie de train. Augmente légèrement l'attaque. On va l'acheter. Marteau de bois. C'est pour qui ça? Grand bouclier qui améliore l'attaque. Sérieux? Est-ce que je peux donner ça à un truc, vous croyez, à Donald et Dingo là? Attendez. Équipement. Donald. Ouais, je peux lui donner des nouveaux trucs.
Oh, celui-là, il est clairement mieux. Regardez, attaque, là, c'est 3. Là, ça passe de 3 à 5, les gars. Ça fait beaucoup plus mal. Bon, on va lui mettre ça. Clairement, 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 clairement. On va clairement lui mettre ça. Dingo, je lui ai trouvé un autre truc aussi, je pense. Targe mécanique. Oh, c'est pas mal celui-là. Regardez, ça fait 5 aussi. Ça fait beaucoup plus mal. Par contre, par feu, ça part plus le feu, hein. Bon, c'est pas grave. On va lui mettre ça. Protection, j'ai plus rien pour lui. Accessoire, j'ai quoi? J'ai ça. Très légèrement l'attaque. Très légèrement l'attaque. Très légèrement l'attaque et très légèrement les PC max. Augmente très légèrement. Augmente légèrement et très légèrement. On va mettre ça sur lui. Et Sora. Mon Sora, il a que ça. Il a ces deux-là pour l'instant. Protection, rien. Accessoire, je lui ai mis quoi? Augmente très légèrement l'attaque et légèrement. Bah ça, c'est mieux alors. Bon, parfait, c'est séquence de trucs terminée. On va avancer maintenant parce que sinon. Là, je peux monter sur les murs. Hein. Bon, je sais pas du tout où je vais, les gars. Ah, je pense que c'est par là, les gars. Très bien. Putain, ouais, j'étais un peu perdu là. En fait c'est ça, le jeu t'indique pas vraiment. C'est comme dans le 1, je me rappelle j'étais souvent perdu quand j'étais petit, ça me cassait les couilles un peu ce jeu. Et c'est pour ça que je pense d'ailleurs que je l'ai pas fini le 1. Parce qu'en fait c'est compliqué quand t'es un gosse, jouer à un jeu comme ça qui t'indique pas vraiment où tu dois aller. Bon après, si tu cherches un minimum tu vas trouver hein. C'est pas ça comme j'ai trouvé maintenant mais quand t'es petit voilà ça te casse un peu les couilles, on va pas se mentir. Après quand t'es un peu plus grand voilà t'as de la patience, tu sais que tu vas trouver, t'as qu'à chercher etc. Mais c'est vrai que le jeu ne t'indique pas vraiment où faut aller. Hein. Ça, c'est. Débrouille-toi, mon gars. Bon, c'est cool parce que mes coéquipiers, maintenant, ils ont des trucs plus forts. Tu vois, ils ont des équipements, des trucs plus forts. Regardez, il a un nouveau bouclier. Lui, il a un nouveau marteau. C'est stylé. C'est bien parce qu'on peut améliorer nos personnages. Ça, j'ai kiffé le délire. Là, un petit coffre. Reconcentreur. Je sais pas quoi. Très bien. Je suis dans les bois là. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est quoi ça? Oula, c'est des ennemis ça. Des sans cœur, mais ouais, c'est des ennemis. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Oh, c'est Ratatouille, les gars. Là, sur cette branche, les sans cœur l'ont encerclé. Oh non. Allons l'aider. Ouais. C'est parti. Aidons notre ami Ratatouille. Venez ici, pente d'ordure. Ah là j'ai un putain de bouclier là. Il est stylé ce bouclier. Take this. Tiens prends ça. Paf 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 paf. Coup de grâce. Ouah mais c'est stylé quand j'appelle. Putain je peux tout le temps appeler Pégase avec la nouvelle Keyblade. C'est stylé les gars. Ouah je peux monter et tout. C'est trop stylé. C'est vraiment stylé ces putains de pouvoirs là. Je rêve ou j'ai attaqué Donald sans faire exprès là tantôt. C'est possible d'attaquer vos compagnons, vous croyez? Prends ça dans ta gueule. Fire. Allez, paf, 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 il va crever. Toujours pas mort cet enfoiré. Très bien. Pouah, allez, c'est parti. On appelle Pégase, les gars. En fait, là, quand j'attaque, c'est de la foudre qui vient, en fait. C'est stylé. C'est un élément qu'on n'avait pas avant, en fait. Ok, on les a tous eus. Ratatouille est sauvé.
Elle est tout petit. Well, Bon, à une take care. prochaine. C'est Ratatouille ou pas, vous croyez? Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais que... Ça va? Genre, il le contrôle. Regarde, elle s'est mise sur ta tête. Mais qu'est-ce que... Sora, tu t'es fait pirater. Ah, quel con, il a fait un jeu de mots. Il veut peut-être que tu ramasses des fruits. Ouais, apparemment, c'est ça qu'il veut, ce petit con. Bon, d'accord, mais je peux pas le faire tout seul. Je dois juste ramasser des fruits? Alors c'est parti, ok, il veut qu'on l'aide, hein. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Les couper et cuisiner, c'est ça? Bah ouais, c'est ratatouille, les gars. Je pense que c'est ratatouille, hein. Mais normalement, il parle ratatouille. Bon, et bien, sois prudent sur la route. Ciao, à la prochaine. Est-ce qu'il va encore nous faire chier ou pas? Ok, bon, bah, cinématique totalement inutile, hein. Totalement inutile. Ah là, c'est les égouts d'où on est sorti, ok. Ce petit rongeur avait l'air content. Ouah, wow, encore des ennemis. Tiens, oh, il y a un gros. Eux, ils sont chauds, hein. Ils sont beaucoup plus chauds que les autres, je pense. Ah, je l'ai bien amoché là. Tiens ça dans ta gueule. Paf, 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 c'est bon. On l'a eu. Il y a encore des ennemis ou pas? Non, tranquille, tranquille. Alors je vais quand même reprendre ma Keyblade traditionnelle. Là, on a pris des chanterelles, je ne sais pas c'est quoi. Oh putain d'emblème. Ah non, un fétiche. Paf. Je vais t'aider à trouver le prochain avec mon cul. Paf paf paf, alors oh, faudrait quand même. J'aime bien la petite l'OST du jeu, franchement elle est vraiment stylée l'OST du jeu, la musique du jeu. Mais il se cache où en fait, je voyais que... Alors moi je tapais dans le vide, c'est pourquoi. Alors qu'il me semble qu'il y avait des ennemis quand même. Ces ennemis là ils sont plus résistants j'ai l'impression que les autres, les singes là. J'ai vu un petit coffre ici, on ira le chercher après. Oh là ça c'est qui ça? Tiens ça dans ta gueule. Genre il me lance des trucs. Sérieux? Allez dégage. Aïe putain. Sérieux je suis blessé? Mais enfin. Eh hey, toi t'es qui? Ah elle est morte. Soigne-moi dingo à ça. Putain je suis en train de crever. Là il y a plein d'ennemis qui apparaissent d'un coup. Bon tu sais quoi, on va prendre ça hein, parce que c'est plus... On est mieux en défense avec ça. Même si on tape un peu moins fort. Regarde Dingo, regarde Dingo, regarde ce fils de chien, il fait rien. Tiens, prends ça dans ta gueule. Dégage. Oh le gros il est là. Oh stylé. Quoi? C'est un nouveau truc ça? Sérieux? Je dois faire quoi? Je dois inonder les ennemis! Oh mais sérieux? Et quoi, je les fais mal avec ça? Oh putain, c'est trop stylé les gars! Franchement, il y a une immensité de trucs, c'est vraiment putain. Par contre, celui-là, il est chaud là. Ok, il est mort. Bon là il y a un coffre, on va aller chercher quand même. On mérite ça au moins. Booster P, c'est très bien. Alors il me semble que c'était par là qu'on devait aller. Hein. Heureusement il y a des cartes, hein, parce que sans les cartes franchement, ça aurait été un peu compliqué ce bordel.
Je le vois, c'est le bâtiment en face. Bah, on est arrivé au manoir abandonné finalement. Finally. On y est. On est à combien de minutes là? 28 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter ici, les gars. Parce qu'il y a un truc de sauvegarde. Et moi, comme je compte arrêter de jouer là pour aujourd'hui, il faut que je m'arrête obligatoirement à un point de sauvegarde en fait. Il faut que j'arrête l'épisode où il y a un truc de sauvegarde. Sinon, je dois continuer jusqu'à ce que j'en trouve un autre. Parce qu'il me semble que si je quitte le jeu maintenant, sans avoir sauvegardé, je pense, j'ai pas testé, mais je pense que je retourne au tout dernier truc où j'avais sauvegardé en fait, tu vois. Donc là, c'est. Okay, donc là, il a des flashbacks. C'est moi, cet endroit est encore plus sinistre que dans mes souvenirs. Il paraît que c'est une maison hantée. Coucou. Ah, c'est les autres là, ok. Je me dis putain, c'est quoi ce bordel? Tu me donnes une crise cardiaque? Quoi, je vous ai fait peur? Sûrement pas. Pardon? Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, malheureusement, on a fait chou blanc. Ah, mais ils ont fait chou blanc, ces enfoirés. Ouais, ce vieux manoir est notre dernier espoir. Très bien. Vous êtes prêts? Une autre cité du crépuscule nous attend. Après qu'on va faire équipe avec ceux-là? Ouais. Je pense pas, vu qu'ils ont pas de pouvoir. Enfin, c'est pas des héros. Des héros, pardon. Vu que le H, on fait pas la liaison. Enfin, bref. Alors, vous croyez que je pourrais retourner sauvegarder? Ou pas? C'est parti. Merde, je pourrais plus sauvegarder alors. Merde. Le mot de passe c'était glace à l'eau de mer, c'est ça? Ok, je suis dedans. Activons ce transporteur. Oh man, le transporteur a été protégé. Protégé de quoi? Désolé les gars, je dois faire un truc ici. J'ai un petit souci là. Pourquoi pas? Il a marché avant. Nous avons envoyé Sora là. Well, that was then. And this is now. And there's no other way. On peut faire autrement? Pas que je sache. Ok, donc visiblement ils ont un problème. Super. Hello Sora. You wouldn't happen to be in front of a computer. Si, mais tu sais, comment tu sais ça? J'étais sur l'ordinateur d'Ansem pour tenter de déchiffrer le code. Quand j'ai vu quelqu'un se connecter depuis un autre terminal, je me suis dit que ça devait être toi. Ah oui, le terminal de connexion. Tu sais pas de quoi il parle. Parce que c'est ton cas? Moi, je suis perdu. C'est quoi cette merde? Mais alors, qui s'est connecté? Bonjour, c'est moi, Pence. C'est moi qui me suis connecté. Ça va du moment que c'est un utilisateur de confiance. Ouais, mais je suis coincé. Un des programmes est protégé, je peux pas le lancer. Lequel? Celui du transporteur pour rejoindre l'autre cité du crépuscule. Tu peux nous aider? Une autre cité du crépuscule? Et un transporteur? Je vais voir. Une ville virtuelle dans un ordinateur composé de données? Un cybermonde, les amis? Ouais, on a déjà vu ça.
C'est ce qui nous a permis de réécrire le journal de Jiminy. Je peux peut-être faire quelque chose. Pence, configurons un réseau. Voici mon adresse. Hop. Ok, bon, le partage et je ne sais quoi. Très bien. Maintenant que nos ordinateurs sont en réseau, je vais pouvoir contrôler le terminal à distance et modifier les droits d'accès. Et Roxas ? Oui, pour finaliser la construction du monde virtuel. Ansem et le sage a dû y inclure toutes les données de Roxas. Ce qui signifie qu'il y a un journal de ces données quelque part. Donc lui, c'est vraiment l'informaticien du truc. Hein. En gros, ça nous permettra de déchiffrer le code d'Ansem plus rapidement. Et on en profitera pour analyser la cité du crépuscule virtuel. Ok, super. J'y connais rien en informatique, alors faites comme ça. Content de voir que tu suis. Ouais, il suit très bien, le mec. Ne t'en fais pas, on va s'en occuper. Tic et Tac vont me donner un coup de main. Chip and Dale. Je te rappelle dès que j'en sais plus. Merci. Avant que j'oublie, j'ai une nouvelle pas très rassurante. Ça concerne un ancien membre de l'organisation. Pour toi, c'était Vexen, mais pour nous, c'était Evan, l'apprenti d'Ansem. Il était reconstitué comme nous autres, mais il n'avait pas encore repris connaissance. Et quelque temps après le départ de Léa, Evan a disparu. Aelius et Dylan, alias Laxeus et ta mère, sont partis à sa recherche, mais il a disparu. Et ça commence à m'inquiéter. Tu crois qu'il est de leur côté? C'est fort probable. C'est un chercheur fou, alors sois prudent. D'accord, merci. Oh non, on a du boulot, j'avais complètement oublié. Ah bon? Et ça, c'est quoi? Les deux sont importants, on a besoin de sous pour la plage. Et pense au gaufre. Faut en acheter 4 maintenant. Oh, je vois. Il anticipe. A plus tard, Sora. Ouais, à toute, Einer. Salut Donald et Dingo. Salut. Vu que je m'occupe de l'ordinateur ici, c'est à vous de gagner ma part. Pas de gaufre pour Pence. Donc eux ils se barrent, hein, ils s'en battent les couilles de nous. Eh. La voix de Dingo les gars, c'est un truc de fou. Oh là là, putain. Longue cinématique encore une fois. Bah écoutez, on va voir ce qui va se passer maintenant. Hein. Apparemment, ils veulent aller dans un autre monde, truc. L'autre cité crépuscule ou je ne sais quoi. On va voir ce qui va se passer. J'espère que je ne dois pas reprendre le vaisseau. Retourner en ville, très bien. Bon, bah écoutez, les gars, on va terminer cet épisode ici. Magnifique. Magnifique. On va sauvegarder. Très bien, on sauvegarde. Ouais, parfait. Et bah voilà, attends. On est à 4h19 de jeu déjà. Hein. Pas mal, pas mal du tout, pas mal du tout. Le jeu me semble très long. Voilà les gars, on se retrouve au prochain épisode pour le 7ème épisode de Kingdom Hearts 3. Pour l'instant, je kiffe totalement le jeu. Le seul petit point négatif jusqu'à maintenant, c'est vraiment les phases de cinématiques qui sont vraiment trop longues à mon goût. Ils auraient pu vraiment abréger et résumer tout le bordel. C'est vraiment long des fois et ça devient chiant quoi. Donc, mais voilà, c'est pas grave. De toute façon, l'histoire est stylée donc je kiffe. On continuera ce bordel, on verra ce qui va se passer par la suite. C'était Lucas Certé, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter si vous voulez, et à regarder mes autres vidéos, pourquoi pas. Merci à tous. Ciao les gens.